Frogmore Cottage est une luxueuse résidence réaménagée à grands frais par le couple. 10 chambres, un spa, un studio de yoga, prix des travaux, plus de 3 millions d'euros. Et pour accueillir le bébé, une nurserie sur mesure, équipée de caméras de surveillance et dont la décoration a été spécialement choisie par la future maman, peinture biologique dans des couleurs neutres. Un choix éco-responsable, très dans l'air du temps, qui a bien arrangé les affaires de Phil Robinson, le premier à avoir fondé une marque de peinture écologique à Londres, il y a 12 ans. Quand vous décorez une chambre de nouveau-né, il faut vraiment faire attention au revêtement des murs, car les peintures traditionnelles peuvent être toxiques, avec des particules qui peuvent donner de l'asthme, des maladies pulmonaires, ou provoquer des réactions allergiques. C'est vraiment la dernière chose à faire, ne faites pas ça. Si vous utilisez des peintures biologiques, vous verrez, vos enfants seront en pleine santé et dormiront bien la nuit. Depuis que la presse a révélé que le couple princier avait opté pour une peinture biologique, les ventes de sa marque ont augmenté de plus de 30%. La famille royale est très influente. Quand ils font des choix qu'ils estiment importants, les gens les suivent. Ils créent une tendance. En choisissant des peintures biologiques, Meghan Markle a permis aux gens de réfléchir aux choix qu'ils faisaient dans leur maison, dans leur quotidien, des choix qui peuvent affecter leurs enfants, leur santé et leur avenir.